vous. Écoute. Écoute-moi. Après, tu me jugeras. Je t'ai quitté, c'est vrai, parce que je n'avais plus rien. Pas même de quoi te faire vivre, tu comprends? Je t'aurais aidé, j'aurais travaillé pour toi. J'aurais fait n'importe quoi. Tu travaillais déjà. J'ai dû fuir Courtenay, mademoiselle de la Roche-Cléry. Je ne voulais pas que ta tante, qui m'a élevée comme sa fille, apprenne. Il y a pire que la ruine, Valentine. Il y a le déshonneur. Mon nom affiché dans tous les cercles de Paris. Et mon déshonneur à moi, qu'en fais-tu? Je ne savais pas pour l'enfant. Eh bien, maintenant, tu sais. Calme-toi. Calme-toi, laisse-moi tout dire. J'allais me tuer. Quand un banquier bonnaire m'a proposé un marché. Il m'a acheté. Contre mon nom, il m'a offert une fortune. Me sauvant à la fois la vie et l'honneur, j'ai épousé sa fille. Mais je te le jure. Je te jure, c'est toi seule que j'aimais. C'est toi seule que j'aime encore. Elle n'est ma femme que de nom. Et votre enfant? Ce n'est pas le mien. C'était cela, le marché. Pas le tien? Elle l'a eu avec un homme qui s'est enfui en Amérique. Oh, pauvre femme. Mais elle, du moins, peut donner un père à son enfant. Ta fille portera mon nom, si tu le veux. Tu la garderas près de toi. Tu pourras l'élever ici, dans cette maison, tout près de moi. Toi et moi, ici? La fille de la comtesse va partir demain matin en nourrice. J'ai un plan. Oh, ma chère Valentine, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore être heureux et confiance. C'est celui qui a la braise. Pour être un monsieur comme il faut, pour avoir le droit de parler faux. La braise. La braise est un levier puissant, il faut au petit comme au grand. La braise. Un pédant doublé d'un fruit sec devient un homme d'esprit avec la braise. La braise, c'est le nerf du jour, aussi pour voir ce qu'on fait pour la braise. On vend sa plume et son talent, son cœur, son âme, en demandant la braise. Au théâtre, on s'en va content, qu'est-ce qu'on vous demande en arrivant? Permettez. Mais oui, mon prince. J'aimerais vous parler. Qui vous attend, autant qu'on connaît. T'as entendu? La braise. Je vous écoute. Je vous frange. Vous avez vu cette jeune femme qui s'est trouvée mal l'autre soir? Celle qui était dans une situation, disons, intéressante pour tout le monde. Même pour vous, monsieur le comte. Eh bien, cette petite grue, qui ne compte plus ses amants, estime que le plus riche est naturellement le père de son enfant. Et le plus riche chez vous, naturellement, cher comte. Voici pour vous taire et faire élever l'enfant à votre guise. Cher comte, entre nous, c'est à la vie et la mort. Je n'en demande pas tant. Où se trouve la marchandise? Suivez-moi. La braise, quand vient la saison des primats. Plaindre ceux qui n'ont pas de braise. Riches pensées aux pauvres gens, donnez aux indigents la braise. Soyons humains, mes bons amis, puisque la France est le pays. La braise. Jamais en entendre parler. Prenez-en soin. Soyez tranquille, mon prince. Conduisez, monsieur. À Belleville. Allez.
patronne. Quelle heure qu'il est? 11h. On va-t-il pas se coucher? Toute la marmaille est écroulée. Eh, j'ai encore besoin d'un petit litron. Pas question. T'es assez bu comme ça. Moi, bu? Oh, ben ce serait bien la première fois. Oh, eh, Bibi, t'entends la patronne, hein? Oh. C'est rien farce. Du piccolo, v'là mon lolo, j'en bois quand j'ai mal à la tête, j'en bois aussi les jours de fête. Du piccolo, v'là mon lolo. Non mais vraiment, est-ce que je suis vu? La main sur la conscience. Non, pas vrai. Tu me fais de la peine. Moi qui t'ai apporté un bouquet de si bon cœur ce matin. C'est bon, tu vas l'avoir, ton kilo. Et vive la patronne. Tout le monde en aura. Toi aussi, là, pauvre lapin. Du piccolo, v'là mon lolo, quand je vins au monde la sage-femme. Oh, chouette! Encore un gosse! Bonsoir la compagnie. Et deux verres de plus, femme. C'est à qui cet enfant-là? À moi, madame Chopin, à moi, hélas. La mère s'est fait la malle. Ah, t'es cocu? Si on peut dire. Alors comme ça, vous trimballez votre gosse en plein minuit? Je vais vous expliquer. C'est comme s'il y a deux verres et ça finit par peser tout de même. C'est quoi? Une fille. Mazette. Beau linge et brodé. Mais c'est joli tout plein. Pourquoi que t'as disparu depuis si longtemps? Des ennuis. Tu m'as bel et bien laissé tomber, oui. Des ennuis, je te dis, quant à la bombe. C'est ta fille? Un pur trésor. Une fortune pour l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes? Le père est plein aux as. Hein? Un jour, on servira de la petite pour agir sans le père, tu piges? Hé! Hey. Et à la santé de la momichonne. Tiens. Qu'est-ce que tu vas en faire? T'as confié. Je me suis dit un de plus, un de moins. Ah, bah t'as bien fait. On verra. Je te verserai tous les mois. Toi? Ragdal? Oh, oh. C'est-il donc que tu veux perdre ton nom? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas malade? Non. Après la naissance, un bébé perd toujours du poids. Et il devient comme une petite pomme ridée. Madame. Monsieur le comte fait demander s'il peut entrer. Eh oui. Vous venez la prendre. Madame, il faut que je vous avoue une chose, je n'ai pas dormi de la nuit. Hier, j'ai dû vous paraître brutal. Je vous en demande pardon. J'ai longuement réfléchi. J'ai compris ce qu'il y avait d'injuste et de révoltant à vous séparer de votre fille. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Oui. Peut-être ne suis-je pas tout à fait mauvais. Votre fille restera avec vous. Je le veux. Vous êtes meilleur que moi, je le vois enfin. Ne me remerciez pas, la loi me confère tous les droits, même celui de vous être incréable. Ah, j'y pense. Une pauvre mère a été prise de douleur devant l'autel. Je sais. Ah, vous savez. Cette femme est veuve et sans ressources. Elle ne demandera pas mieux que de nourrir votre fille. Voulez-vous la prendre à votre service?